Salut tout le monde, je fais une vidéo sur le jeu Harry Potter de Gacy. Du coup, voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième personnage, j'ai fait le père d'Harry. Voilà, j'ai voulu faire le père d'Harry. Je vous montre comment il est pas trop bien fait, mais normalement les cheveux c'était pas comme ça, j'avais pas choisi cela. Je sais pas si on peut refaire après, mais je pense pas. Du coup, bah là, il doit suivre le. Donc tu vas. Voilà, donc. Allez. Tu vas suivre le perso. Alors, donc je fais comme ça, je fais comme ça, voilà. Je vais faire comme ça, voilà. Du coup, je vais pouvoir jouer. Allez. Hop là, il y a la télé en fond, mais c'est pas grave. Oh là, j'ai du mal. Voilà, donc. Voilà. Un peu plus fort. Allez. Faites attention. Pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui vous a mené ici? Bonne question. Le Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Non, c'est une sorte de démo parce que je l'ai en français, oui, mais après, pour pouvoir jouer en français, il faut que je retenais ça. Mais je ne pourrais pas. Donc voilà. Je fais une petite vidéo. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Thank you.
sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. C'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Cette statue devait sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer en... C'est quoi ça? Professeur Fig! C'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Je ne peux y croire. Y a quelqu'un?
petit instant. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. À l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre. Numéro du coffre. Coffre 12. Et quelle journée ! Brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même couleur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est habité à mon nom. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui.